Non. Non, mais en ce moment, elle n'est pas beaucoup là. Bah ouais, c'est son expo, là, sa peinture, là, ça lui prend vachement de temps. Là, elle est sortie avec ses copines, là. Non, mais ça va aller. Ok, on fait comme ça. Tu me rappelles quand tu veux, hein, t'hésites pas. Bon, bah, gros bisous. C'est pas vrai, mais qu'est-ce que t'as fait? Juste pas un peu de ménage, on pouvait plus tout ce bordel. Putain, mais regarde-moi ça, t'es ni fait ni à faire, tu crains, merde! Non, c'est toi qui crains. Tu pourras au moins respecter mon espace vital, t'es pas obligé d'entreposer tes croûtes dans notre salle de bain. Mes croûtes? Mais t'as qu'à dire que t'as pas ce que je fais, ça sera plus simple. Ah, merde, mets dans ta peinture, c'est bordel. Mais t'y connais rien, alors. Est-ce que je viens de donner des conseils sur comment gérer tes actions en bourse, moi? T'avoueras quand même que c'est significatif. T'es incapable d'intégrer le mot ordonné dans ton vocabulaire. Psychorigide, c'est pas possible. Tu crois quoi? Que tout est beau et propre et ordonné dans la vie? Que chaque chose a une place prédéfinie dans ce monde? Que tout s'emboîte parfaitement? T'as perdu toute spontanéité, mon pauvre, avec tes envies d'ordre. Même quand on pèse, faut que tout soit propre et ordonné et planifié. Tu veux que je fasse quoi? Que je range tous nos produits par ordre alphabétique comme t'as fait avec la bibliothèque? Ah, me lance pas sur le terrain, parce que si tu veux qu'on parle de toi, putain, mais t'es qu'une sale gamine, t'es complètement irresponsable, t'as aucune valeur de l'argent. Avoue, si t'es avec moi, c'est parce que tu cherchais un mec carré, un mec cassure, un mec qui a de la thune, mais je suis pas ton père. Attends, attends, on va arrêter tout de suite ces conversations, d'accord? Tu me saoules. Où tu vas? Je sors. J'ai la permission, il faut un mot de parents.